La ruralité, c'est une fierté pour toutes celles et tous ceux qui en portent les racines. Parce que la ruralité, c'est une terre de liens sociaux, qu'elle représente nos espaces et que d'ailleurs souvent elle fixe notre horizon. Territoire d'avenir, la ruralité est un des piliers essentiels du développement régional. La dimension est bien plus que paysagère. Nous avons beaucoup travaillé sur les aspects liés au développement économique des zones rurales. Le logement, les possibilités d'avoir une mobilité plus partagée, la création d'activités au cœur des zones rurales, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir un travail en Wallonie plus équilibré entre les différentes régions aussi. Éducation, mobilité, emploi, logement, santé, autant de thèmes cruciaux pour la ruralité et évoqués lors de 5 ateliers réunissant de nombreux mandataires locaux du CDH. Au terme de ces débats, un constat, investir dans le développement des zones rurales, c'est à la fois un respect élémentaire à l'égard des habitants et un investissement porteur d'avenir pour l'ensemble de la région. L'accès aux services publics, la poste, la SNCB, les télécommunications, bien sûr, on doit les défendre avec force. On l'a fait d'ailleurs dans le cadre de la SNCB, hein, le plan de la SNCB, nous sommes la seule formation politique à avoir refusé ce plan et avoir fait bouger les choses pour éviter qu'il y ait des suppressions de gares, mais aussi d'ailleurs pour tout le monde, pas uniquement pour les ruraux, pour faire en sorte que demain on puisse avoir des investissements, créer de l'activité, de l'emploi, et c'est ça au bénéfice bien sûr de toute la Wallonie. La santé aussi. Alors là, la santé c'est primordial, de garantir à l'ensemble des habitants, où qu'ils se trouvent sur le territoire wallon, une intervention d'urgence médicalisée pour vous sauver la vie tout simplement, là où vous vous trouvez en 15 minutes, c'est un objectif qui est réalisable si on a un hélicoptère supplémentaire, il y en a déjà un à Bras-sur-Lienne qui permet de couvrir la zone d'une partie de la province de Luxembourg, une partie de la province de Liège, il en faut un deuxième pour couvrir notamment la province de Namur, la province de Luxembourg également, et donc d'atteindre cet objectif-là. C'est aussi le soutien aux infirmières, le soin à domicile, parce qu'il y a les problèmes de mobilité qui vont avec dans les zones rurales, et les médecins généralistes aussi, pour être à leur côté, leur offrir par des maisons de garde de la qualité et du confort dans leur travail.